Everybody, welcome to episode 3 of the Overdose TV show. I'm your host, Eric Gore. What you just saw was the scene you can meet when you go down New Uqua in Old Hall on Sunday nights for the open mic nights. That was my good friend G playing live and kicking back with everybody. I actually had the chance to hang out with him in his jam room before he hits the road for the month of April on tour. Here's what's going on with G now. What's up, everybody? We're live on site at my friend G Poo's lofty jam room. G's a pretty big hit on the local rock scene right now. He's also in another band called Hangman's Noose. He's been playing a lot of local shows, got a lot going on. What's got you so hungry to be in two projects nowadays and stuff like that? Keeping your hands busy and everything. Exactly, just keeping busy. Yeah? Yeah, you got too much stuff on your mind, you gotta write a lot of songs, you know? Yeah, well, there's a lot of inspiration smell in this room. I guess a lot's been going on in here. Yeah, this is my my sanctuary, my place to be quiet, my quiet time. So February, a year ago, G's first album, A Ghost Among Men, hit the shelves. I mean, it hit the shelves, too. It's actually in stores. Yeah, it's at the Pumnaz. So what's that been like to put a full album out there, to have the critics from everybody telling you what they feel about it, what they thought? First experience, you know, like any musician will tell you if he could do it over again. There's a lot of things that change, right? But first experience, like, I don't regret it. I love the album, and it's pretty much good feedback from all over, so second one should be You met some deadlines and paid off in the end. Yeah, I mean, ever since then, you've been busy all over the place. Yeah, we've been doing shows from here to Montreal. We're actually going to Quebec for the first time next month. Doing Le Mion. That's what I was going to ask you. April or March. March is a pretty busy month for you. Well, actually, March is a practice month, kind of. April is fully booked. We're going two times here in Hull, once in Montreal, once in Quebec. Oh, wow. So, La Belle Provence. Yeah, almost every weekend, which is pretty cool. Good stuff. Good stuff. And Hull, when are those dates? We're playing Kadjudzi on April 15th. That's a vieux Hull. Yeah, we're playing Luco, Le Botanique on the 25th. I might get some wrong, but I'm pretty sure this is right. Yeah, that's with Real Radio. Yeah, stuff. Quebec City on April 27th. So, yeah, we're keeping busy. Cool beans. Any shout-outs? Any thanks? Well, shout out to my band, actually, all my bands, both my bands, and to Dre. I've been working with Dre a lot lately, too, so might have a couple of surprises coming for you in the next month or so. So, a few little secrets. I'll keep you posted. This guy is mouth lips sealed. Can't talk about it right now because, you know, Dre will get on my ass and be like, hey, you're not supposed to talk about it, but we have a few surprises coming. All right. Well, that's it, man. My friend G, thanks for hanging out. No problem, man. Thanks for Ozzy being a cool cat. Yeah, he's like kind of camouflaged there with a coat. Make sure you catch G live in April. He's got two stops in Hull, one in Ottawa, aside from the ones everywhere around the map, and a good show to catch. Earlier in March, Marte and I had a chance to head down to the Rockfest press release, find out all the big names coming down to town for everybody's favorite festival this year. And we also caught up with the guys from Insurrection, who were there for a fourth time, and talking to us about, you know, pretty creative way of raising money to get their album paid off. Check it out, man. It was a fun time. Premièrement, merci beaucoup à tout le monde d'être venu malgré la tempête de neige. La route a été assez pénible entre la conférence de presse à Montréal et celle-ci à Gatineau, mais on s'est rendu vivant. Avant de commencer, je veux juste dire que ça a été vraiment un énorme travail de monter la programmation cette année. Le week-end après le Rockfest 2012, j'ai commencé le travail
sur le Rockfest 2013. Ça a pris des mois et des mois et des mois. Puis on dirait qu'à la longue, ça devient un peu la routine. Puis ça fait vraiment des mois que je connais le line-up. Puis qu'on dirait que c'est juste normal que je le vois. Puis j'ai tellement été isolé pendant des mois à Montebello sans sortir, juste à travailler sans arrêt. Mais j'étais à South by Southwest la semaine dernière. Je vais à chaque année, c'est au Texas, pour ceux qui ne savent pas, le plus gros rassemblement de l'industrie de la musique. On avait un showcase du Rockfest là-bas. Puis c'est la première fois que j'ai pu prendre un peu un recul sur la programmation puis sur l'ensemble de l'édition 2013. Puis en regardant ça, on dirait que je réalise, crime, est-ce que j'ai vraiment fait ça? Je pense que j'ai retrouvé un peu mon excitation par rapport à tout ça en le voyant avec des nouveaux yeux. Puis je suis vraiment content de pouvoir vous le montrer enfin aujourd'hui. Donc, je dévoilerai pas, je dirais pas les 150 bandes, sinon ça va prendre du temps. Mais de toute façon, ça va être écrit sur l'affiche. Comme il y en a peut-être qui savent, il y a un média qui n'a pas respecté l'embargo, donc il y a eu des leaks. Fait que si vous savez déjà la programmation, faites semblant d'être surpris. Comme ça, au moins, ça va vous faire plaisir. Donc, j'ai au moins passé à travers les bandes que je pense que j'ai le goût de vous parler, finalement. Mais il y en a tellement plus que ça. Je pense que vous allez avoir du plaisir ce soir à passer à travers notre site web. Donc, je vais les nommer rapidement. On est vraiment content, premièrement, d'avoir le très populaire groupe rock de Chicago, Rise Against. L'autre band, c'est le premier band. Avant de triper sur Korn, je tripais sur ce band-là quand j'étais super jeune. Je suis vraiment content qu'il soit là cette année. Je pense que vous pouvez le deviner avec mon T-shirt. On a The Offspring. Ensuite, deux légendes du rock provocateurs. Alice Cooper va être présent et Marilyn Manson va être ici présent. Le légendaire groupe punk californien Social Distortion va être présent également. Puis un autre de mes bandes préférées, Deftones, je suis vraiment content qu'ils sont là. Les bandes qu'on a déjà annoncées, puis je suis vraiment fier, Rancid et Lamb of God. On a un groupe de 2011 qui va être de retour, Pennywise, cette fois-ci avec le chanteur original. Comme vous avez sûrement vu hier, Dropkick Murphys. À part ça, on a Anthrax, Killswitch Engage, Lagwagon, Transplants, qui est le projet du chanteur de Rancid et de Travis Barker de Blink-182, The Mighty Mighty Boston's, qui sont de retour au Québec après 16 ans d'absence, Millen Collin, puis plusieurs autres. Pis en plus du rehaussement considérable des trois scènes qu'on avait déjà, il va y avoir deux scènes additionnelles. Une qui va se concentrer plus sur le punk, l'autre sur le hardcore. Puis on est vraiment allé chercher des groupes rares et cultes de ces genres-là pour les connaisseurs. Sur cette scène-là, j'aimerais souligner la présence de la réunion de Black Flag sous le nom de Flag. Bad Brains, après 18 ans d'absence au Québec. Screeching Weasel, après 30 ans d'absence au Québec. Sick of It All, Biohazard, Discharge, Subhumans, Mad Caddies, puis beaucoup, 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 beaucoup d'autres. En rotation avec la scène principale, on va encore avoir un line-up vraiment solide pour la scène du Québec. On a réussi à réunir beaucoup de groupes québécois cette année. On a déjà annoncé Groovy Aardvark, qui va se réunir au Rockfest. On a également Men of Steel, Roller Starter, Cryptopsy avec le chanteur original Lord Worm, Goulunatics, Arsenic 33, Capitaine Révolte, Vulgar Delir, puis encore une fois, ceux qui ont fait le Rockfest souvent, mais qu'on ne se tannera jamais, Grimmskunk, Mononcle Serge, Cataclysm, Matt des Planet Smashers, Obey the Brave, puis en fin de soirée, on va faire un karaoké punk. Donc, ça risque d'être beau. Puis évidemment, la scène émergente avec le meilleur
des groupes locaux, de la relève d'ici et d'ailleurs. Donc, en tout, ça va être 150 groupes qui vont jouer en deux jours. Puis, il serait fâcheux de passer sous silence si l'expansion du terrain du festival, on double littéralement la grosseur du terrain du festival. On ajoute des terrains de camping, des terrains de stationnement, beaucoup d'autres activités qui vont se rajouter au spectacle. Il va y avoir des manèges, un musée du rock and roll, une maison hantée, des amuseurs publics, des cracheurs de feu. Donc, on veut vraiment qu'il y ait une ambiance encore plus festive et carnavalesque. Donc, ça devrait être vraiment cool. Pour ce qui est des billets, ils sont disponibles dès maintenant ici au Amnesia. Ils vont être en vente ici ce soir sur notre page Facebook, facebook.com/pnrockfest. La mise en vente générale, c'est samedi à midi. Ils vont être en vente ici sur le réseau admission. Puis, encore une fois, on offre les passeports à prix vraiment très abordable comparativement à ce qui se fait dans le milieu. Pour le passeport week-end, pour les 150 groupes, ça va être 79 $ plus les frais et taxes, ce qui revient à 53 sous par groupe. Puis avec l'engouement généré jusqu'à présent et une programmation aussi solide, on pense que pour une première fois, ça risque c'est très probable que ça soit sold out cette année. Hey everybody, I'm with Insurrection here at the Rockfest press release for 2013. Guys, veterans on the festival. How's it feel to be on there one more time again this year with the big names? Feels pretty good. Pretty sweet lineup. We're anxious to play that show. Yeah. Should be awesome. And big thing going on with Insurrection right now. You guys are raising some money for the next album coming out. Pretty original way at it. Approach. Well, I don't think it's good. Carrying flyers in your pocket all the time is a way to go. tell us about what you guys got going on. You're saying album. Original, but I don't think it's going to be original for very long because it's the new way to do things. Like labels are just crashing all over the place, like flies. And basically, we got an album to do. It's going to be a third album. We're going to name it Prototype. And we're poor guys, so since we had to fund the last two albums, and money doesn't grow on trees, so we're going to have to come up with money. So we figured, some people actually like us, and those people we're assuming might want to get the album at some point or another. And we figured, if people are actually going to pay for that, maybe they can pay for it now, so that we're not that poor in the long run, since they're going to get it anyways. Yeah, it's basically we're making the exact amount as if we would release it and then sell the CDs. It's just we're getting the money beforehand, so it's going to help us release it. So the more support we can get from fans, family, friends, it's going to help us out a lot. Well, here you go, Mark. This is where you post the link. Hit us up. Insurrection. Right there. Internet magic. That's it, guys. Have a good time. 2013. I'll probably be intoxicated when I meet you on site in Montebello. But that's what it's for. Looking forward to crushing the road again. Yeah. Awesome. All right. See you there, guys. Thanks, man. All right. Rockfest 2013, a weekend it shall be. Here at the Overdose TV show, we want to help promote everybody on the local scene. We mean everybody. So if you're a visual artist, musicians, extreme sports enthusiast, if you're pushing the limits at what you do nowadays, hit us up at overdosetv@hotmail.com and line up an interview, man. We want to work with you all. So, last thing we got for episode 3 for you guys is a video from a band that dates all the way back from 2006 on the local scene, and there's not that many that we could say date all the way that back. So here's my friend Sean from Greta Knights. Hey, this is Sean from Greta Knights. We compiled a lot of live footage together from shows 2009 and 2010.
for She's a Perfect Nightmare off of the album Transformer. So check it out. A lot more to come too. Attention. Attention. Please let us have your attention. You are now about to enter another dimension. So open your mind, push reset, and reboot your computer. Yeah.
Je vous les offre à vous autres, je vous les donne comme des prostituées de micro. Des salopes de cordes. Monsieur G Pro, accompagné de Monsieur Joe. Last words you'll ever hear.